Voilà. À partir d'ici, nous voulons ajouter les agents et puis faire la configuration de notre web, de notre call center. Pour ce faire, ici, je viens déjà de me loguer. Vous avez remarqué ici, mon adresse IP vient de changer. Cela vient de changer parce que auparavant j'avais configuré ça de fonctionner avec un Wi-Fi pour me permettre d'avoir la connexion internet, donc le Wi-Fi. Actuellement je le branche prioritaire avec l'interface internet, donc avec le câble RJ45 qui est connecté à mon routeur, et je suis en train de concevoir un réseau. Et ce réseau sera en mesure d'effectuer des appels téléphoniques. Et ces appels vont être gérés aussi par PFSense. Alors j'ai activé le PFSense dans ma machine virtuelle. Et c'est ce PFSense qui attribue le DHCP. Et c'est ainsi que tout équipement qui va se connecter va avoir l'adresse IP d'une manière automatique. Alors dans notre cas ici, le Isabelle, je n'ai pas donné l'adresse IP statique, mais j'ai donné automatique, ce qui prouve que lorsque je change d'équipement, il va automatiquement prendre l'adresse IP de cet équipement. Donc voilà, le 192.66.166, c'est l'adresse, la nouvelle adresse qui lui est attribuée par le routeur, mais vous voyez, cela n'affecte à rien notre call center. Donc, elle est en train de tourner sans problème. Je viens sur call center, puis je viens sur configuration. Alors, à partir d'ici, vous voyez les différents paramètres. Nous avons 001 plus 002. Ok. 0 user. Un système. User. Groupe. Groupe. Intégré une groupe d'ID superviseur. Groupe superviseur. Super bien soft mode. Je suis sur chaud. Filtre système.
agent outgoing call campaign out. Shell it to incoming calls. Outgoing calls. Break administrator. Login out. Je n'ai pas déconnecté le truc. Donc, lance la simulation. C'est une avalanche. Login user one. User 2, je viole, user 002. Sur l'extension.
display name user. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et puis vous clochez la cloche de notification, vous cliquez sur toutes et puis vous partagez avec vos proches sur Facebook, sur Twitter. Tout simplement, vous pouvez aussi cliquer sur le lien, vous faites clic droit, copier et puis coller dans votre profil WhatsApp et puis vous envoyez à vos proches.